Coucou à toutes, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, on se retrouve dans une petite vidéo spéciale crash test. Donc je vais tout simplement tester avec vous ces petites encres. Donc ces petites encres, ce sont des encres métalliques aquarellables que vous pouvez donc utiliser sur du papier aquarelle. Donc ces petites encres-là, vous pouvez les trouver donc à Action. Ne me demandez pas les prix, je ne les ai pas, puisque ces petites encres-là m'ont été offertes par mon amie Laetitia. Voilà, donc on va les tester ensemble sur du papier noir et du papier blanc. Voilà, pour que ça puisse vous donner un ordre d'idée de ce que ça peut donner sur un papier de couleurs différentes, puisque les effets seront complètement différents. Par exemple, le rose qui est là, le pink, qui fait plus ou moins une couleur violette hein, pour moi, ressortira plus en rose sur le blanc et sur le noir ressortira plus en couleur violet. Voilà, donc on va les tester ensemble. Donc, ce qui est bien, c'est que ces petites encres-là, si vous souhaitez, je ne sais pas, utiliser que le bleu, vous pouvez également. Hop, je vais essayer de le sortir. Ce sont des petites coupelles. Donc si vous voulez avoir que le bleu auprès de vous, vous prenez que le bleu. Moi, spécialement, je les laisse vraiment dans leur socle. Voilà, donc je vais utiliser un pinceau avec un petit réservoir d'eau. Donc pour info, si vous voulez trouver ce petit réservoir d'eau, vous pouvez le trouver à Leclerc dans le rayon écolier où il y a toutes les pinceaux, toutes les peintures. Voilà, donc on va tester ensemble les six petites couleurs. Donc on va tester donc la couleur pink. Donc on va tester sur le blanc. Voilà. Et sur le noir. Alors, on fait toutes les six couleurs et je vous fais montrer le résultat de ce que ça donne juste après. On va tester ensemble donc le light pink, donc un couleur rose beaucoup plus clair. C'est plus un rose corail pour moi. En tout cas, les couleurs sont super. Moi, je les adore. Je les ai déjà utilisées dans certains projets. Et franchement, je ne suis pas du tout déçue. Elles sont géniales. Alors bon, vu que ça vient de chez Action, je ne pense pas que ça coûte une blinde. Mais pour, comme moi qui est débutante en mix and media, eh bien, ça peut être des couleurs géniales à travailler sur des petits projets. Donc là, nous allons tester le green, donc le vert. On voit vraiment l'effet métallique. Encore plus sur le papier noir que sur le papier blanc. On va tester ensemble la silver, donc la couleur grise. Et on va tester donc la dernière qui est le gold, donc qui est un doré. Voilà, donc je vous présente les couleurs que ça donne. Donc vous voyez l'effet métallique. Vous voyez que là, ça fait vraiment une couleur rose. Alors que sur
Le noir, ça nous donne plus un effet violet. Voilà ce que ça donne. En tout cas, j'espère que cette petite vidéo crash test vous aura plu, que ça vous donnera un ordre d'idée si vous avez hésité de prendre ces petites encres à action. Voilà, donc franchement, moi je les trouve géniales. Et pour des petits projets en mixed media et même pour des enfants, hein, je pense que ça peut aller pour des enfants, ça peut être génial. Voilà, sur ce, moi je vous laisse et je vous dis à une prochaine. Bye bye!